faut dire qu'au niveau de l'ANADER, notre mission principale, c'est de contribuer à la professionnalisation des exploitants agricoles, des éleveurs et autres. Et donc, pour rendre professionnel, pour contribuer à cette professionnalisation des exploitants en général et en particulier les exploitants de la banane, de la filière banane-plantain, c'est important d'avoir des projets comme le projet FABA qui s'occupe de la formation agricole pour la banane plantain. C'est important à différents titres. Premièrement, le projet va mettre à la disposition de la NADER et des producteurs de la Côte d'Ivoire des outils qui vont leur permettre de connaître la culture de la banane plantain. Et ces outils-là leur permettra avec l'application à les rendre professionnels. Oui, je dirais oui que c'est pertinent. C'est pertinent puisque, d'autant plus que la banane, c'est une culture qu'on consomme. Et lorsqu'on utilise les pesticides, surtout si c'est mal utilisé, ces pesticides-là ont des effets sur la banane plantain. Donc, développer des outils qui vont nous permettre de moins utiliser ces pesticides et rentabiliser la production de bananes plantain, vraiment est très bienvenue.